c'est leur moyen de vivre. Dis-moi où est caché l'argent. Franchement, ça vaut la peine de mourir pour ça. Reviens, misérable important. J'ai quelque chose à te dire. Ah, bienvenue, citoyen. Que vas-tu nous faire? Voilà. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chances de ne pas surprendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Germain s'est bâti une vraie forteresse. Je ne vois aucun point faible. C'est de la viande. Tout de même particulièrement hideux. Que s'est-il passé ici? Oh diable! Garde! Garde! À l'aide!
semble particulièrement hideuse. Particulièrement hideux. Audacieux, très audacieux. Quelqu'un a tué Saint-Pierre. Il y a quelqu'un ?
étrange. Il est parti. Je vais en faire autant. Qu'est-ce que c'était que ça ? L'assassin prodigue est enfin de retour. Je m'en suis douté lorsque la touche a cessé de m'envoyer ses impôts. Cela fait trop longtemps que tu contrecarres mes plans. Inutile de te cacher, petit. Tu es donc l'artisan de la chaîne en vestiaire. Un assassin. Mais... comment... Halte ! Oui, toi, citoyen ! Ah ah ! Je t'ai trouvé ! Ici, toi ! J'ai bien...
qui s'opposent à la route. Je peux courir, je mets longtemps de toi. Tu cours bien. Je suis rusé comme un renard. De la serre. Quelle belle retrouvaille. Reste caché. Continue à le faire parler. Vous pensiez que ce jour ne viendrait jamais? Que votre crime resterait impuni parce que François de la n'avait pas le fils pour le venger? Ah, une simple vengeance. Tu es aussi borné que ton père. Et vous êtes aveuglé par votre quête insensée de pouvoir. Le pouvoir? Non. Dis-moi que tu n'es pas si stupide. Il n'a jamais été... Il n'a jamais été question de pouvoir. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Ton père ne t'a-t-il rien appris? Cache-toi autant que tu le veux. Ça ne changera rien. L'arbre était pourri de l'intérieur. Il avait délaissé sa raison d'être pour s'adonner à de vils plaisirs. Prison. Vous pensiez que ce jour ne viendrait jamais? Que votre crime resterait impuni parce que François de la Serre n'avait pas de fils pour le venger? Ah, une simple vengeance. Tu es aussi borné que ton père. Et vous êtes aveuglé par votre quête insensée de pouvoir. Le pouvoir? Non, non. Dis-moi que tu n'es pas si stupide. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul... Je te tiens maintenant. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Ton père ne t'a-t-il rien appris? L'ordre était gangréné par la corruption. Tellement obsédé par les signes extérieurs du pouvoir qu'il en avait oublié sa raison d'être. Nous étions pris au piège de nos mensonges créés pour guider les masses. Les ténèbres ne te protégeront pas. N'entends-tu pas ce que je te dis? Mon plan s'étend bien au-delà de ma vie. Cette révolution donnera naissance à un nouvel ordre. Où les chaînes des hommes seront faites d'or et d'argent. Tu te crois en sécurité dans l'ombre? Oh.
Arno ! Je suis coincé. Il prend la fuite ! Attends-moi, j'y suis presque ! Je peux le tuer ! Non, ne fais pas ça, va toute seule ! Attends-moi ! Je suis désolée. Elise ! Bravo, tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas ? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le père de la sagesse ait décidé que nous discutions un peu. Ah ! L'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu. De sublimes tours dorées, des villes brillant de l'éclat de l'argent. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit. Le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi ? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître de Molay. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de l'intérieur. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du Père de la Sagesse. Et je vois que tu as rencontré un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leurs contemporains. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. C'est ici que nos chemins se séparent. Réfléchis à ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place, quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots, chaque fois que tu penseras à elle.
Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Ce combat 2 siècles avant qu'il ne commence. Bien joué, petit. Ça m'étonnerait qu'Abstergo décide de fouiller les catacombes pour retrouver la dépouille de Germain. Ses os seront trop abîmés, trop dégradés. Ce sage ne nous posera plus de problème. Tu as été à la hauteur, monsieur. En attendant qu'on fasse signe, tu devrais continuer à fouiller les mémoires d'Arnaud pour recueillir tout ce qu'il a vu. Des données historiques précieuses, d'autres échantillons d'ADN, tout ce qui peut nous aider. On contactera dès qu'on aura besoin de toi, c'est certain.